Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président de la commission électorale aux Comores placé en détention provisoire. La justice lui reproche d'avoir dépensé près de 153 millions de francs comoriens sans justificatif comptable. Trois membres de son équipe sont également impliqués. Ouverture de la session du Parlement panafricain en Égypte. Les travaux devraient être axés sur le terrorisme, l'environnement et le développement du continent et les recommandations transmises à l'Union africaine. Et le pape François a nommé 17 nouveaux cardinaux, dont 3 en Afrique. Parmi eux, Mgr Dieudonné Zapalanga, archevêque de Bangui. Il est l'une des figures du processus de paix en Centrafrique. Mais tout d'abord, le président rwandais Paul Kagame met en garde la France. Ce lundi, devant le Parlement, il a averti d'une possible rupture des relations diplomatiques. Des propos qui font suite à l'annonce par les juges français de réouvrir une enquête sur l'assassinat de l'ancien président Juvénal Habyarimana. Il souhaite notamment entendre Kayumba Nyamwasa, un ancien militaire qui accuse le président Paul Kagame d'être l'instigateur de l'attentat. Un assassinat qui, on le rappelle, est considéré comme l'élément déclencheur du génocide de 1994. Aux Comores, le président de la commission électorale, Ahmed Mohamed Djaza, a été placé en détention provisoire. Un audit de la Cour des comptes avait révélé une somme manquante de 153 millions de francs comoriens dans la trésorerie de la CENI après les législatives 2015. Lui et son équipe étaient pourtant bien restés en place jusqu'aux élections de 2016. Mais le nouveau gouvernement s'est dit déterminé à faire la lumière sur cette affaire. Deogratias Podor. Le président de la Commission électorale nationale indépendante des Comores, le docteur Ahmed Mohamed Djaza, et 3 autres membres de l'institution ont été placés en détention provisoire samedi 8 octobre 2016 à Moroni, la capitale du pays. Ces derniers sont accusés d'avoir dépensé environ 153 millions de francs comoriens sans justificatif comptable, selon un rapport de la Cour des comptes. L'affaire a été transmise aux autorités judiciaires et les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Plusieurs autres personnalités seraient impliquées. La Cour a constaté que plus de 153 213 509 francs ont été dépensés, soit sans pièces justificatives, soit avec insuffisance de pièces justificatives. De tels manquements graves en matière de gestion des fonds publics sont susceptibles de plusieurs interprétations. Certaines sont parfois mal ressenties par les responsables concernés ou mal perçues par les autorités et les citoyens. Depuis les élections législatives organisées en 2015 aux Comores, des voix se sont élevées pour réclamer une transparence dans les activités de la Commission électorale nationale indépendante. L'institution est accusée de fraude électorale par une partie de l'opinion politique et de mauvaise gestion des ressources financières par les organes de contrôle. Les premières révélations sur les détournements de fonds datent de mars 2015. Il aura fallu plus d'un an pour que la justice décide de réagir. C'était une dépense qui a eu lieu durant les élections législatives de fin 2014 à début 2015. 4 membres de la CENI ont été placés en détention et 2 autres sont sous contrôle judiciaire. Le rapport a eu lieu en mars-avril 2015, mais le gouvernement en place n'a pas surveillé cette affaire. Donc un an après, le procureur a saisi cette affaire. La crédibilité de la CENI était déjà remise en cause et l'enquête elle est en cours, on n'a pas plus d'informations. Elle concerne les élections législatives de fin 2014 à début 2015. Le gouvernement comorien a récemment exprimé sa détermination à garantir une transparence dans les activités des principales institutions du pays. Dans cette affaire, la justice affirme détenir des preuves matérielles prouvant une malversation. Elle entend par ailleurs se donner les moyens pour traiter tous les dossiers en cours. En Égypte, la session du Parlement panafricain s'est ouverte ce lundi 10 octobre. Au programme de discussion, les questions relatives au terrorisme, à l'environnement, mais aussi au développement du continent. Et à l'issue de ces travaux, les recommandations qui seront formulées seront soumises à l'Union africaine. Reportage de Djibril Fofana, notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh. C'est par un acte solennel de prestation de serment de ses nouveaux membres que la session du Parlement panafricain s'est ouverte ce 10 octobre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Le Parlement panafricain compte 270 membres, représentant les 54 pays de l'Union africaine. Sa vocation est d'être un véritable organe législatif au service des populations. Mais pour cela, le protocole amendé de Malabo de juin 2014 relatif au Parlement panafricain doit être signé et ratifié par au moins 28 États membres. Une étape qui donnera le la de l'appropriation du processus de l'intégration africaine par les populations à travers leur mandat. Quand un Parlement ne légifère pas, il ne peut pas s'appeler Parlement. Or, le Parlement panafricain, quand il avait été mis en place en 2004, on lui avait donné un mandat consultatif facultatif. Et ce protocole avait été révisé en 2009 et a été adopté en 2014 par les chefs d'État. Nous allons légiférer
Légiférer, ce n'est pas pour enlever ce qui a été déjà établi, mais c'est pour voter des lois qui peuvent s'appliquer à tout le continent africain. Et nous savons que les problèmes, parmi les problèmes qui minent le continent africain, il y a par exemple l'épineux problème du terrorisme, le problème de la libre circulation des personnes et des biens, le problème des changements climatiques et également l'épineux problème de la jeunesse. Fort de son slogan « Une Afrique, une voix », le Parlement panafricain est à présent dans une dynamique de vulgarisation de sa mission auprès des populations africaines. C'est ce qui justifie la volonté du président de l'institution de délocaliser les sessions du Parlement dans les différents pays du continent. Beaucoup de gens connaissent le Parlement européen, mais quand vous leur posez la question sur le Parlement panafricain, ils ne savent pas de quel Parlement il s'agit. Le rôle du Parlement panafricain, c'est de faire des lois comme tous les parlements, comme toutes les institutions parlementaires, mais actuellement, nous avons un rôle consultatif. Nous votons le budget de l'Union africaine et nous prenons des directives que nous envoyons à l'Union africaine. Cette session du Parlement panafricain coïncide avec le tricinquantenaire du Parlement égyptien. Elle est aussi célébrée conjointement avec le Parlement arabe. Toute une symbolique qui scelle l'ambition du Parlement panafricain d'être un pont entre les peuples d'Afrique, d'est à l'ouest, du nord au sud, pour relever tous ensemble les défis du développement du continent africain. Le prix international UNESCO Guinée-Équatoriale a été remis ce lundi. La cérémonie avait lieu à Paris, en France, au siège de l'organisation internationale. Trois lauréats ont été distingués. Ils sont récompensés pour leur recherche dans le domaine des sciences de la vie. Mélina Bokassa. C'était ce lundi 10 octobre la remise du prix international UNESCO Guinée-Équatoriale. Trois lauréats ont été récompensés pour leurs travaux en sciences de la vie. Manuel Barral Neto du Brésil pour sa contribution au contrôle de maladies transmissibles. Balram Bargava de l'Inde, cardiologue spécialisé dans l'innovation biomédicale. Et Amadou El Fassal du Sénégal pour ses recherches sur les arbovirus et les virus de fièvre. C'est la troisième édition du prix UNESCO. Comme vous voyez, c'est une référence maintenant pour l'Afrique et pour le monde. Une référence pour l'Afrique car la science n'a plus de frontières. Le docteur Amadou El Fassal du Sénégal a été distingué pour sa contribution déterminante, notamment au développement et à la dissémination d'outils de diagnostic et de contrôle pour des maladies virales comme Ebola, le chikungunya, la dengue et d'autres maladies vectorielles susceptibles d'avoir un impact sur le continent et le monde entier. Non seulement il récompense plusieurs années de labeur et d'efforts, mais surtout il représente un défi pour le futur. Et ce que j'aime beaucoup dans ce prix, c'est que c'est un prix qui fait la promotion de la recherche et de l'innovation pour la plus grande part de la population. Donc c'est un prix qui travaille à l'utilité de la science. Et je pense que ce qui est important en science, il faut faire de la science qui est importante et utile pour régler les problèmes. Il s'agissait de la troisième édition du prix UNESCO Guinée-Équatoriale, un prix qui vise à mobiliser la connaissance scientifique en faveur du développement durable, mais également à la mise en place de réseaux de centres d'excellence en sciences de la vie. L'Afrique a trois nouveaux cardinaux. Le pape François a procédé dimanche aux nominations. Parmi celles-ci, celle de Monseigneur Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui. Acteur central dans le dialogue interreligieux en Centrafrique, il est l'une des figures du processus de paix en cours dans le pays. Omokaï Sumba. Le pape François a annoncé dimanche la tenue le 19 novembre 2016 d'un consistoire au cours duquel il va officialiser la nomination des 17 nouveaux cardinaux, dont 13 âgés de moins de 80 ans. Parmi eux, trois Africains, Dieudonné Zapalenga de la République centrafricaine, Sébastien Kotochouaraï du Lesotho et Maurice Piat de l'île Maurice. En Centrafrique, le choix portait sur l'archevêque de Bangui. Monseigneur Dieudonné Zapalenga a suscité une lueur d'espoir au sein de la population. Âgé de 49 ans à la tête du diocèse de Bangui depuis 2009, il a activement participé, aux côtés de l'imam de la même ville, à la création de la plateforme interreligieuse de Bangui. C'était hier la liesse, parce que tout le monde s'est lié vers son cortège qui revenait de Bossambélé. Et là, on a senti que vraiment la cohésion, la solidarité est revenue. Donc, le peuple centrafricain vraiment est très reconnaissant envers cette sainteté de pape pour cette marque de reconnaissance. Parce que la République centrafricaine
était considéré comme un pays vraiment mis au banc de touche et qu'il y avait plus d'espoir. Depuis fin 2012, la République centrafricaine connaît une crise sociopolitique émaillée de violences et de manifestations. En dépit de nombreux efforts faits par les autorités centrafricaines et par la communauté internationale, la tension est perceptible dans certaines régions du pays. Les experts estiment que la nomination de Mgr Zapalenga aura un impact sur le processus de paix en Centrafrique. Monseigneur Dieudonné Zapalenga, aujourd'hui cardinal Dieudonné Zapalenga, s'est beaucoup investi lors des reclus qui ont marqué la vie sociopolitique de la République centrafricaine. Il s'est investi comme homme de paix, comme homme apportant la bonne nouvelle à tout le monde, y compris les personnes de la confession musulmane, de la confession catholique, d'autres confessions religieuses. Il était là, sous les balles, sous la pluie, sous le soleil. Et je crois que ça, c'est le bon Dieu qui lui a apporté cette charge-là. Mgr Dieudonné Zapalenga devient à travers sa nomination le plus jeune des cardinaux électeurs. Tout au long de la crise sociopolitique, il a effectué de nombreux déplacements dans les quartiers touchés par les violences, mais aussi à l'extérieur pour y prodiguer des conseils allant dans le sens de la paix et de l'apaisement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.